nous c'est FS Production Laval. Nous faisons des épices blendées. Nous faisons avec poireau, safran, nous mettons des gingembre, et puis persil, céleri, tout ça. Et nous faisons crémasse tout. Et FS crémasse, ce qu'on a regardé là. Et nous connaissons ça avec coco et nous faisons des sandales. Nous venons avec sandales et tout. Nous faisons regarder. Ça. Nous pouvons participer dans le foire là. Et c'est une belle initiative liée pour aider les jeunes qui ont des talents à présenter les produits que nous gagnons. Parce que nous avons déjà payé un Yankounia et nous pouvons avoir comme si nous avons payé un Yankounia et nous difficile pour nos jeunes travaillent. Et voilà, permettre que nous présenter que ça nous-mêmes en tant que jeunes nous gagnons dans Jacoute. Alors, nous sommes bien contents que. Alors, c'est la première fois que je participe, c'est la deuxième édition, là, même c'est la première fois, et je ne regrette pas que je participe. Et je dis à une fois, nous connaissons un petit bagage pas facile. Dis-nous comment vous arrivez à connecter COB pour arriver à faire ce travail-là. Oui, je suis dans un pays difficile. Mais heureusement, moi, j'ai des sponsors qui aident à avancer. Il aide ma avancée comme si depuis le moment où aide moi, il aide ma avancée. Préparation, bonjour, bonjour, moi préparation. Il est vraiment belle, rentrer vraiment belle. Nous avons monté descendre, mais pour qu'on gagne vraiment, pour me satisfaire, genre pour me satisfaire. On voit nous pour qu'on gagne, il est encore, il est bonheur toujours. M'attend. Par rapport à l'année passée avec Anissa, comment vous êtes? Moi, je n'ai rien pour Anissa, vraiment pour l'année passée. L'année passée, pour moi-même, il était mieux, mais pour Anissa, beaucoup rien. Comme il y a deux, mais si je veux, mon troisième jour, et moi, je suis capable de connaître, parce que je suis passé pour qu'elle soit contente. Okay. Et merci de veux, Tchaka, il y a été Tchaka, du riz blanc et Lalo. Mais je dis, c'est fritaille. Mon femme, c'est Mirana Eustache. Et moi, j'ai un peu plus inquiété, les mi-créations. Mi-créations, nous faisons sandales, valises, gousses et produits en col. Et Anessa, c'est deuxième édition. Hein? Année passée, c'est pas de quelque chose qui nous participer, mais Anessa, c'est pour les femmes qui nous participer. Faut-il parler nous des produits ou présenter nos fois? Ok, par exemple, nous avons un genre de sandales Sahara, par exemple, qui s'est produit, nous faisons un produit local, qui s'est écrit là-dedans, je l'ai regardé un peu mieux. Et nous faisons perlage, donc ça c'est un dessin perlage lié, c'est genre de travail Sahara nous fait, je l'ai regardé là, et puis encore tout, nous faisons essayer le petit bousse nous fait. Nous faisons tout ça, là. Tout ça, encore ça, c'est produit avec Con. Tout ça, encore nous l'utilisons, c'est avec Con. Ok, dis-nous comment préparation est pour préparer tout le bagage ça ou comment? Bon, pour préparation, Anessa, nous prenons chaque temps, c'est toujours difficile pour le matériel. Surtout dans le moment, ça ne va pas vraiment être matériel, vraiment. C'est pour ça que nous prenons un pays en situation où côté pour nous l'acheter, pas qu'à gagner. Mais nous, quand même, nous cherchons l'autre matériel, nous utilisons ce que nous sommes capables de faire et de travailler ça. Bon, nous saluons une équipe qui fait présence là, dans Bouc Champagne, où nous avons un coup pour loger. Donc, nous saluons les rues de Pétionville qui ont une autorisation pour nous réaliser une belle festivité, cette activité qui est un aspect socio-culturel là. Donc, nous saluons tous les riverains qui sont dans Bouc Champagne. Donc, nous sommes sur la deuxième édition, nous là, Bouc Champagne réveillé. Deuxième édition, Bouc Champagne réveillé, donc l'année dernière. Donc l'année dernière, nous étions avec plusieurs artisans, mais année ça encore, nous faisons plus émergency que soi. Mais pour qu'on représente ce passeport énorme dans le moment, c'est parce que peut-être l'État central n'a pas de responsabilité pour sécuriser certaines personnes. Mais qu'on y a la main par rapport à la commune Pétionville, on a réalisé avec un cartel qui est déterminé pour catalyser la communauté. Donc nous prenons le risque là. Nous prenons le risque de nous faire quoi là, nous sommes aujourd'hui à 2 novembre 2024 là. Demain c'est plus grand jour. Nous tous lançons un message, nous tous lançons une invitation avec toute notre population qui est dans toute zone et populaire qui est écartée de Bouc Champagne.
Nous invitons au 2 novembre, nous venons déguster, nous venons consommer local. Nous félicitons Rivien qui est dans Bouchampaille. Même si Rivien, c'est l'ensemble des monde qui est copropriétaire et propriétaire dans Bouchampaille. Que nous essayons de comprendre l'activité, de comprendre qui ampleur l'activité de la France. C'est les monde dans la zone qui supporte l'activité. Donc nous n'avons pas de tradition passée inaperçue pour l'année 2024 là. C'est presque mon dans zone qui pour l'activité, mais je l'ai fait l'année dernière là. Et puis même nous supporter là avec mes moyens qui ont gagné, et puis comité à nous même tout, nous faire en sorte que nous pas quitter l'activité à passer inaperçue. Parce que nous avons plus gros soir, c'est Mairie de Pétionville, bah, nous autorisation et en plus commissariat de Pétionville. Nous saluons le commissaire Mackenzie tout. Par rapport avec l'année passée, avec l'année ça, comment ça y est? Bon, nous avons une différence. La différence, c'est que l'année dernière, nous étions plus ou moins cassés qui devaient aller chercher quelques lacs pour la vie. Mais pour y aller, à cause du manque de sécurité dans le pays, il y a des territoires qui sont fait que l'État central a une responsabilité. Pour l'année prochaine, nous avons plus de choses. Et pour tout le monde qui est satisfait, que les gens nous-mêmes nous besoin de satisfaire toute la population. Troisième édition, nous garantissons tout le peuple. Tout le monde qui est dans Bouchampaille, tout le monde qui est dans une zone reculée, qui est dans Pétionville. En 2025, il va même bien. On a fait plus de bagages. Pour ça, pour l'autre fois. Et comment nous participer? Comment nous faire sélectionner les gens qui l'ont? Bon, sélection, c'est parce que nous avons beaucoup de travail avec tout artisan. Et puis, tout le monde est honnête. Depuis que nous avons invitation, nous connaissons toujours fait bagages bon, dans toute zone et dans Pétionville. Toutes 54 quartiers, nous avons toujours fait quoi? Donc, pour Pétion et pour Bouchampaille, il faut ça. Prochaine fois, là, pour l'autre.